Est-ce que vous m'entendez? Donc, on reprend. Dans le système somitique, il faut savoir que, d'une façon générale, on divise le système somitique en deux systèmes. Donc, il y a ce qu'on appelle le système antérolatéral et le système coordonnal postérieur. On va voir pourquoi antérolatéral et coordonnal postérieur. D'une façon générale, l'ensemble de ces deux systèmes fonctionne grâce à des récepteurs. Mais il y a quelques différences. Donc, pour le système coordonnal postérieur, donc, les récepteurs de ce système ont un seuil différent selon le récepteur. C'est-à-dire chaque récepteur a un seuil différent. Par contre, pour le système antérolatéral, le seuil est toujours élevé. C'est-à-dire ça nécessite une stimulation très intense pour déclencher des potentiels d'action. Il y a aussi ce qu'on appelle les différences en ce qui concerne l'adaptation. Toujours pour le coordonnal postérieur, donc ça dépend du récepteur. Mais par contre, pour le système antérolatéral, il n'y a pas d'adaptation. C'est-à-dire, tant qu'il y a la stimulation, il y a toujours du potentiel d'action. Il y a aussi une différence de structure. Pour le système antérolatéral, c'est toujours des terminaisons nerveuses libres qui sont donc des terminaisons nerveuses libres, donc qui sont amyliniques de faible diamètre. Par contre, pour le système coordonnal postérieur, donc les récepteurs sont bien structurés. Et rappelez-vous, les corpuscules de Pacini, donc les structures spécifiques en lamelles, etc. L'activation, pour le coordonnal postérieur, c'est toujours des stimulations mécaniques. Mais attention, pour le système antérolatéral, il y a plusieurs types de stimuli. Donc, c'est soit stimulation mécanique, soit chimique, soit thermique. Donc, je continue, ça va? Très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps, au fur et à mesure. Rappelez-vous, donc, pour chaque récepteur, il y a ce qu'on appelle les potentiels récepteurs, un stimulus adéquat, le seuil et l'adaptation et le site générateur. Tout ça a été bien expliqué dans le cours des récepteurs somatosensoriels. On commence maintenant les voies et les systèmes somesthésiques. Donc, on a dit qu'il y a deux systèmes, c'est le système antérolatéral et le système coordonnal postérieur. Quelle que soit la voie, il y a toujours trois neurones, enfin, c'est pas trois neurones, donc c'est trois groupes de neurones qui sont interconnectés. C'est-à-dire, il y a plusieurs neurones qui sont dites N1, qui se connectent avec des neurones N2, et N2 se connecte avec les neurones N3, qui se connectent avec le cortex somesthésique ici. Donc, il y a la stimulation, transduction, l'information va être véhiculée par les neurones N1 qui se connectent avec N2, avec les neurones N2, et N2 se connecte avec les neurones N3. Déverrouiller, là, je ne sais pas le faire. Je sais pas. Si vous m'entendez, déjà, c'est... Donc, on commence par le premier système, donc le système coordonnal postérieur ou dite lemniscal.
Donc, c'est quoi ce système? Donc, c'est un système caractérisé par ces récepteurs qui sont de plusieurs types. Vous avez les corpuscules de Pacini, le corpuscule de Meissner, disque de Meckel, organes de Ruffini, terminaison de Crohn, fuseau neuromusculaire et organes tendineux de Golgi. Donc, ça, c'est plusieurs types de récepteurs. Et chaque récepteur a des propriétés spécifiques. Par exemple, pour les corpuscules de Pacini, on a dit que sont spécifiques aux vibrations et qui sont phasiques, c'est-à-dire répondent à des stimulations, au changement de la stimulation. Les corpuscules de Meissner donc sont sensibles au toucher léger dans les petites déformations de la peau, qui sont d'adaptation rapide, c'est-à-dire qui s'adaptent rapidement. Les disques de Meckel adaptation lente qui détecte les formes et les textures. Les organes de Ruffini donc détectent les déformations importantes de la peau telles que les tissus profonds. Donc ils sont présents au niveau des articulations, donc très important donc pour la proprioception. Et la même chose pour les terminaisons de Crohn donc qui détectent le toucher à la pression. Deux récepteurs sont très importants dans la proprioception. Donc, c'est les fuseaux neuromusculaires qui détectent l'allongement du muscle et les organes tendineux de Golgi qui détectent l'étirement très important du tendon. Donc, ça, c'est les récepteurs de ce système. Ça va? Vous m'entendez? Donc, tout va bien. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Très bien. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, hein. Donc, maintenant, on va voir donc, le trajet de l'information le long de ce système. Donc, vous avez une stimulation détectée par un récepteur qui se transforme en potentiel d'action ici. Donc, le récepteur est toujours connecté au neurone N1. Donc, un groupe de neurones qu'on va les appeler 1-1. Donc, ces potentiels d'action donc, vont être véhiculés par le neurone 1-1. Sur le plan anatomo-fonctionnel, donc, les neurones 1-1 entrent homolatéralement à la stimulation, c'est-à-dire du même côté de la stimulation, au niveau de la moelle épinière. Donc, ça, c'est pour les membres supérieurs, par exemple, et ça, c'est pour les membres inférieurs. Donc, si neurone 1-1 entre, attention, il monte directement homolatéralement, c'est-à-dire du même côté. C'est-à-dire si la stimulation est à gauche, par exemple au niveau de la main gauche, donc les neurones 1-1 montent homolatéralement jusqu'au tronc cérébral. À ce niveau, vont se connecter avec les neurones 1-2. Donc, les neurones 1-2. Les neurones 1-2, attention, vont passer vers l'autre côté, contralatéralement à la stimulation, et montent jusqu'au thalamus, et à ce niveau vont faire connexion avec les neurones 1-3. Ces neurones 1-3, bien sûr, vont véhiculer les informations vers le cortex somatique, et on va voir les détails après. Donc, je répète, l'information est capté par les neurones N1. Les neurones N1 entrent et montent homolatéralement jusqu'au tronc cérébral, puis vont faire connexion synaptique avec les neurones N2. Et ces neurones N2, donc, montent, croisent la ligne médiane et passent vers l'autre côté et montent directement jusqu'au thalamus. Pour le corps, c'est le thalamus ventro-postéro-médian. On va voir les détails après. Ventro-postéro-latéral. Donc, puis, à ce niveau, vont faire connexion avec les neurones N3 qui vont rejoindre le cortex somatique. Ça va? Tout va bien? Très bien. Donc, on parle du système coordonnal postérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lié à sa localisation. C'est tout simplement au niveau du cordon postérieur de la moelle épinière.
Vous avez ça, c'est antérieur, ça, c'est postérieur. Ça, c'est le système coronal postérieur avec deux faisceaux. On distingue deux faisceaux, donc de Birdach et de cuneiforme, ou faisceau gracile ou cuneiforme. Donc, c'est pas très important. Donc, on doit faire vite. Apparemment, on n'a pas le temps. Donc, ça, c'est lié à sa position au niveau du cordon postérieur de la moelle épinière. Donc, pour le système antérolatéral, c'est la même chose. Donc, caractérisé par ces récepteurs qui sont de deux types, soit les mécano-nocicepteurs, soit les nocicepteurs polymodaux. Donc, mécano-nocicepteurs, pourquoi? Parce que ces récepteurs répondent uniquement aux stimulations mécaniques intenses, c'est-à-dire un seuil élevé de stimulation. Donc, tels que les piqûres, coupures, pincements, distension de la paroi, distension du creux, etc. Et qui donnent une sensation brève et précise, c'est-à-dire une sensation rapide, donc et précise en termes de localisation. Donc, ici au niveau, par exemple, au niveau une piqûre, au niveau du doigt, donc c'est exactement au niveau de l'index ou au niveau du pouce, etc. Donc, avec précision. Pour les nocicepteurs polymodaux, donc, sont de localisation musculaires, tendineux et articulaires, et répondent à plusieurs types de stimulation. C'est pour ça qu'on parle de polymodaux, des stimulations de type mécanique, thermique, chimique, etc. Donc, surtout au niveau des viscères, c'est des stimulations de type chimique. Donc, les récepteurs polymodaux sont à l'origine d'une sensation durable et moins précise en termes de localisation, c'est-à-dire une sensation qui dure beaucoup dans le temps, telles que les inflammations, par exemple, si vous avez une arthropathie, par exemple, c'est des sensations qui durent plusieurs heures dans la journée, etc. Donc, il est moins précise en termes de localisation, c'est-à-dire il n'y a pas de précision exacte, c'est-à-dire soit, par exemple, au niveau du genou, c'est l'ensemble du genou, etc. Donc, il n'y a pas de précision. L'activation de ces nocicepteurs est très importante. Donc, attention, c'est un peu différent. Vous avez plusieurs types d'activation. Donc, soit une activation mécanique directe, c'est la même chose que les mécanorécepteurs du système coordonnal postérieur. Donc, c'est l'entrée du sodium qui déclenche un potentiel récepteur, puis à l'intervention des canaux sodiques mécano-dépendants, voltage dépendant pour le déclenchement d'un potentiel d'action. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activation directe. Mais attention, il y a ce qu'on appelle une activation indirecte. L'activation indirecte est toujours chimique par certaines substances libérées par les cellules en cas de lésion, telles que les bradykinines, l'ATP, le potassium, etc. Donc, toutes ces substances chimiques libérées en cas de lésion cellulaire, donc, stimulent directement les chémorécepteurs, donc, qui sont des récepteurs, des terminaisons libres, sensibles à la stimulation chimique. Donc, ces récepteurs, donc, et déclenchent des potentiels d'action qui vont être véhiculés vers le centre. Dans ce cas, on parle de hyperalgésie primaire. Mais attention, il y a ce qu'on appelle l'hyperalgésie secondaire qui est liée à la formation surtout de prostaglandine. Donc, il y a des réactions biochimiques de l'acide arachidonique qui aboutissent à la formation des prostaglandines. Et ces prostaglandines, donc, vont sensibiliser les chémorécepteurs, et ces chémorécepteurs deviennent plus sensibles à la stimulation chimique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie secondaire. Donc, c'est pour ça, les prostaglandines, attention, les anti-inflammatoires inhibent d'une façon un peu compliquée la formation des prostaglandines. Donc, l'ensemble des anti-inflammatoires qu'on utilise. D'accord. OK. Donc, l'ensemble des anti-inflammatoires donc qu'on utilise en médecine donc inhibe la formation des prostaglandines donc pour limiter un peu la sensibilisation des récepteurs.
Donc, je répète l'activation directe. L'activation directe, c'est très simple. C'est la même chose que les corpuscules de Pacini. Donc, vous avez une stimulation directe, probablement une terminaison nerveuse, par exemple, est située à côté de la stimulation mécanique, par exemple, piqûre. Donc, vous aurez une déformation de la terminaison nerveuse. Cette déformation provoque l'entrée du sodium par étirement des canaux sodiques mécanodépendants. Et qu'est-ce qui se passe? Le sodium entre, déclenche un potentiel récepteur. Si le potentiel récepteur atteint un certain seuil, ça va déclencher un potentiel d'action et les potentiels d'action vont être véhiculés vers les centres. Bien sûr, les potentiels d'action sont originaires de l'activation des canaux ioniques voltage dépendants. Je reviens à l'hyperalgésie secondaire, donc qui est liée à la formation de prostaglandine. Un dernier point très important, il y a aussi ce qu'on appelle l'inflammation neurogène. C'est quoi l'inflammation neurogène? Donc, il y a une lésion, donc libération de substances chimiques, déclenchement du potentiel d'action au niveau des terminaisons nerveuses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des potentiels d'action qui vont être véhiculés vers le centre. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie orthodromique. Donc, dans le sens normal du système somesthésique. Mais attention, parfois, les potentiels d'action donc, vont être véhiculés par les ramifications dans le sens dit entodromique. Dans le sens dit antidromique, donc vers les autres terminaisons nerveuses. Il y a l'intervention de certaines substances neuromédiateurs donc, qui stimulent ce qu'on appelle les mastocytes, qui libère l'histamine, et l'histamine, vous savez que l'histamine est un vasodilatateur, et en même temps va sensibiliser les chémorécepteurs qui deviennent de plus en plus sensibles à la stimulation chimique. Et la même chose, la libération de substances P, donc va activer les vaisseaux sanguins, donc les capillaires, donc qui provoquent ce qu'on appelle une vasodilatation. Et c'est pour ça que vous avez l'aspect rouge en cas de lésion. Donc, c'est lié à tous ces phénomènes de vasodilatation et d'inflammation. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous pouvez poser des questions directes, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Cette partie. Donc, je répète. Donc, pour simplifier les choses, donc je répète rapidement. Donc, vous avez l'activation directe qui est liée à la déformation des terminaisons nerveuses. Donc, entrée du sodium, déclenchement d'un potentiel récepteur, puis du potentiel d'action. Il y a premièrement l'inflammation, l'hyperalgésie primaire. L'hyperalgésie primaire est liée à la libération de certaines substances libérées par les cellules en cas de lésion, telles que le potassium, l'ATP, les bradykinines, etc. Donc, toutes ces substances chimiques excitent les récepteurs chémosensibles. Donc, il y a des récepteurs de la douleur qui sont chémosensibles, c'est-à-dire sensibles à la stimulation chimique. Ça va déclencher des potentiels d'action véhiculés vers les centres. Ça, c'est l'hyperalgésie primaire. L'hyperalgésie secondaire, il y a à la formation, donc il y a une réaction chimique suite à une lésion biochimique qui aboutit à la formation de prostaglandines. Ces prostaglandines, bien sûr, sont les dérivés de l'acide arachidonique. Ces prostaglandines vont sensibiliser encore les chémorécepteurs qui deviennent de plus en plus sensibles. Ça, c'est l'hyperalgésie secondaire. Ça n'a rien à voir avec les bactéries. Hein. Ça, c'est pas une infection. Ça, c'est une stimulation directe. Les bactéries, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est une réaction du système immunitaire. Donc, ça, tout ça, c'est lié uniquement à la stimulation par lésion, c'est-à-dire par un cas de piqûre externe. Donc, on parle pas d'immunologie. Donc, c'est autre chose.
Bien sûr, il y a une composante immunologique ici, mais ce n'est pas l'objectif de notre cours. Troisième chose, l'inflammation neurogène, donc c'est lié à la stimulation des terminaisons nerveuses qui véhiculent les informations vers les centres et peuvent véhiculer les informations